Salut tout le monde, c'est Mangacard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo donc Dragon Ball Heroes. Et c'est la présentation donc du full set Jakayu Mission Part 4. Hop, je vais vous montrer. Comme d'hab, les 30 règles. Il faut savoir qu'il y a maintenant, au lieu d'avoir 9 SR dans cette partie, il y en a 13. Comme dans la précédente. Et là, je vais vous montrer les cartes règles. Par contre, je ne sais pas s'il y en a qui ont aussi les anciennes parts. Mais je trouve qu'à partir de la part 4, là, les règles, elles sont plus belles. Enfin, la couleur de l'impression est mieux. Enfin, dites-moi s'il y en a qui en ont. Donc voilà. Je vais vous montrer ça tranquillement. Donc on a un Goku. Gohan. Donc c'est un Gohan. Hop. Vegeta. Petit cœur. Krillin. Tortue géniale. Topapai, normalement. Guerrier intergalactique. Regardez, vous voyez, les couleurs, elles sont super jolies, quoi. Moi, j'ai un peu la lumière, mais je vais vous montrer. Ouais, vous voyez pas. Donc, Videl. Pan. Hercule. Gotrunk. Mighty Mask. Ah, j'oublie toujours son nom. C'est... Je sais plus. Pareil, tout ça c'est les potes à Bojack. Surtout cette carte aussi, elle est magnifique avec le bleu, le violet et tout. Trop bien quoi. On a Pui Pui. Niveau Sporovic et je sais plus qui là. Hop, Bou. On a un méchant Bou. Majin Bou. Avec absorption Gotrunks derrière. Majin Buu absorption Piccolo. Kibi. Ouais, je sais plus. Je vais pas dire de la merde. Son Goku. Gohan. Pan. Donc, ça, c'était les 30 règles. Comme d'hab. Hop. Donc, là, on passe aux 15 rares. Ça n'a pas changé. Toujours avec le bord gold, enfin les effets en gold. Donc on a Badak, on a Goku petit, Yamcha, Tenshinhan, Chaos, Vegeta Super Saiyajin 3, Bojack, Bibidi, Dabla. On a Majin Buu, de nouveau. Majin Buu, mode Gohan. Hop. Ah, comment il s'appelle Kibito? Okay, je sais plus. Kibito, c'est peut-être la fusion. Goten. Trunks. Baby Vegeta. Celle-là, elle est classe. Et ça, c'était les 15 rares. Là, on passe au 13. SR, donc très super rare, avec Jackie Chun, Corbeau Génial, celle-là elle est magnifique, regardez-moi ça, un Goku démonté avec un Végéto Super Saiyan 3, juste magnifique cette carte, celle-là aussi, purée, abusée, Majin Vegeta, trop classe. On a Majin Buu avec une absorption Kibito. Là, on va avoir les Kaios. Les Kaios que Buu a absorbés. On a un Végéto. Juste trop beau, quoi. L'effet aussi, là, sur le bleu, là, c'est juste trop classe. Un Vegeta Super Saiyan 3. Un Gotrunks adulte et dernier Kuriza normalement si je dis pas de conneries lui je le connais pas bien quoi. Je vais montrer les CP donc les campagnes toujours 8, elles sont juste trop belles, regardez-moi ça, c'est magnifique et en fait elles ont un relief, c'est trop beau quoi.
Donc un Goku Saiyajin 4. Gohan. Elles sont vraiment trop belles. Vegeta. Gotrunks. Un Gogeta. Un reflet de la caméra, mais bon, tant pis. Vous n'avez pas le choix. Regardez-moi celle-là, Végéto. Elle est juste magnifique. On a un Broly. Il prend toute la carte tellement il est immense. Et dernière campagne, on a Bou. Il fait un cri là. Et pour finir, donc les UR. Les UR et les secrètes. Donc 4 UR, 2 secrètes. Vous allez voir la secrète. La dernière secrète, elle est juste magnifique. Donc là, on a un Gohan. Hop, un Babidi. Celle-là, elle est jolie, quoi. Oups. Celle-là, elle est vraiment jolie, quoi. J'adore. Pour une fois, les effets UR, ils gâchent pas la carte, quoi. C'est, pour moi, ça, c'est une vraie UR. Parce que je sais pas si la prochaine. Ouais, non, ça va encore. Donc, on a Vegeta. Mais certaines UR, en fait, ils mettent trop d'effets gold et c'est chiant. Et un méchant Shenron. Là, ça passe quoi. Ça, c'est des UR, elles sont bien. Donc là, on va passer aux secrètes. Donc, on a un Neko Majin avec Goku tenu après Buu, Super Saiyan 3. Franchement, elle est sympa. Et attention, la dernière, elle envoie du lourd. Ah, j'ai vite fait mettre les cartes. Hop. Comme ça. Donc ça c'est. Et là, elle est juste magnifique. Vegeta et Son Goku guerrier 4, quoi. C'est juste magnifique. Franchement, elle est magnifique. Je sais pas, mais c'est une de mes cartes préférées hein, dans ma collection. Hein. Elle est trop belle, quoi. C'est tellement rare de les voir deux ensemble sur une carte comme ça. En plus, ils ont vraiment la classe, quoi. Franchement, cette vidéo, elle mérite des pouces bleus juste pour cette carte. Donc voilà. Bah, j'espère que justement cette vidéo vous a plu. Bah, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!